¡Vamos! Oui, oui, mais nous avons gagné. C'était compliqué, c'était difficile, très difficile. Ça peut venir dans les coupes. C'est une équipe de la deuxième division, mais ils sont une équipe qui peut jouer Liga, c'est clair. Un terrain très compliqué, un ballon très compliqué de jouer, mais on a fait sérieux. On a essayé de trouver des espaces et de créer des occasions. C'était pas facile, et voilà. Dans un moment comme ça, dans des matchs comme ça, ça doit être suffisant si on trouve une fois un attaquant pour une situation décisive et après on gagne 1-0 et voilà, sommes heureux. Sí, ha sido un partido muy complicado en el cual hemos tenido que hacer las cosas muy bien y con mucha paciencia porque el equipo no conseguía generar todas las ocasiones que estamos acostumbrados a hacer. Y bueno, hemos insistido y bueno, al final ha llegado el gol que nos ha dado la clasificación. Sí, están haciendo las cosas muy bien en la Leitu y al final eso también es por algo. Hoy en su casa, como tú bien dices, es un equipo fuerte con su afición, con su gente y hoy lo han demostrado aquí, nos han puesto las cosas muy difícil y bueno, hemos conseguido la clasificación que era lo importante. No, c'était un match très difficile, surtout de l'autre côté il y avait aussi de la qualité. Ils ont habitué à jouer ici, le terrain il était pas bon pour nous, mais pour ils ont déjà habitué, ils ont bien fait. Surtout ils ont bien serré défensivement. 5-4-1, c'est pas facile de trouver des espaces. Et même comme ça, on a créé un peu les situations. Nous sommes contents surtout pour l'état d'esprit de l'équipe, les joueurs. Ils ont fait un bon match, surtout la deuxième période. On a mérité de ce résultat. Maintenant, il faut continuer. Ouais, un vrai match piège. Et c'est souvent comme ça en coupe de France. Mais voilà, on a tenu le coup et on a su marquer ce but-là qui nous permet de gagner ce match-là. Ouais, ça montre que tout le monde est concerné et voilà, on a l'effectif qu'il faut pour faire tourner à chaque fois, pour faire jouer tout le monde. Et Pablo, c'est l'exemple typique qu'il faut suivre. À chaque fois que le coach fait appel à lui, il est là, il montre l'exemple et il essaie de marquer pour faire gagner l'équipe.